challenge sans les pouces. Du coup, c'est parti. Alors, maman va vous expliquer les règles du jeu. Donc, je vais bander les mains de Luna, enfin, surtout les pouces, pour éviter qu'elle fasse la pince avec sa main et comme qu'elle ça. Puisse tenir les objets comme il se doit d'habitude. Oui, parce qu'en fait, ça sert vraiment à prendre les choses, le pouce. Voilà, sans les pouces, c'est un peu compliqué. Ouais. Donc, on va tester ça. C'est parti. Alors, voilà, j'ai plus de pouces, voilà. Voilà, je lui ai enfin bandé les pouces. Oui. Donc, maintenant, on va pouvoir commencer le challenge. Oui, alors. Alors, Luna, tu vas devoir mettre... Du vernis, sans les pouces. Sur qu'un seul doigt. Sur les deux mains. Et voilà, qu'est-ce que vous en pensez? C'est du vernis bien transparent, hein. Tu vas devoir... manger un yaourt. En plus, j'aime pas la framboise. Et l'ouvrir, bien sûr, toute seule. Tu es prête? Ouais. Pourquoi t'avais fait une tartine à faire? Allez. C'est galère à l'ouvrir. Bravo! Bon ben, ce challenge est aussi réussi. Troisième défi. Voilà, donc qu'est-ce qu'on va lui donner comme défi? Alors, elle va devoir se mettre du rouge à lèvres. Et je dois l'ouvrir aussi toute seule. Alors, troisième défi, elle devrait mettre du jour à lèvres. Du jour à lèvres? Du rouge à lèvres? Ça colle des fois aux pouces. Bah, pas les pouces, mais... Va-t-elle réussir? Non mais... Oh, faut qu'elle se regarde. Vous en pensez quoi? Pas trop. Allez, ça y est. Bon bah, défi réussi, même si elle s'en est mis partout. Quatrième défi. Elle va devoir ouvrir le pot de Yop. Le bouchon est bien fermé. Je vous montre. Voilà. Et elle va devoir l'ouvrir et boire toute seule. Tout? Ben non, pas tout, mais un petit peu. Alors, c'est parti. Et en tout cas, il n'était pas si dur. Ah bah ben si, pourtant, j'ai bien fermé. Bon, ben, défi réussi. Je devrais le refermer toute seule. Voilà. Et comme j'ai une cigarette. Et voilà. Son prochain défi va être de découper une feuille. En combien de morceaux? Comme tu veux, découper une feuille. Voilà. Ah, ça va être dire. Ah, je dirais que c'est un petit peu compliqué. Ah, prends les deux mains, elle. Pas du tout, c'est pas compliqué. Moi, j'aurais pris les deux doigts. J'aurais mis les deux doigts. Ouais, mais sauf que c'est un peu dur, en fait. Parce que ah bah oui, hein. C'est ça le défi. Le défi, c'est que ça soit dur. Est-ce que...
Moi, je trouve que c'est quand même plutôt pas mal. Elle s'est quand même utilisée ses deux mains, mais c'est déjà pas mal. Prochain défi, Luna. Est-ce que tu es prête? Oui. Alors, tu vas devoir colorier ce dessin à l'aide des feutres. Voilà, c'est Jasmine. Ça y est, tu as terminé, Luna? Oui. Alors voilà, c'est un petit grabouillage, hein, mais c'est pas facile avec sans les pouces. Voilà. J'ai pas tout colorié, bien sûr. Voilà. Bon, dites-nous en commentaire si c'est beau. Voilà. Si elle a quand même marqué son point ou non. Oui, voilà. Du coup... Alors, le prochain défi de Luna va être de dessiner un soleil et un arbre. D'accord. Tu es prête? Fini. Fini. Alors, mon prénom, il est un peu à l'arrache. Alors, voilà, j'ai terminé mon dessin. J'ai rajouté un peu mon prénom, voilà. Il est un petit peu... Voilà. Et 1, 2, 3, voilà. Le soleil et l'arbre. Moi, je dis que c'est réussi quand même. Hein. Mais à part là, parce que en fait, je vais faire un tout petit tronc et après, j'ai un peu rapproché. Oui, c'est pas grave. Du coup, voilà. Dites-nous si elle a marqué son point. Voilà. Alors, le prochain défi de Luna va être de faire une petite construction avec ses Lego. Une pile. Ce que tu veux. D'accord. Tu es prête? Oui. Voilà. Bon, alors, c'est parti. C'est parti. Donc voilà, dernier défi. Luna va devoir manger un gâteau sans les pouces. Allez, je vais manger. Et voilà, le dernier défi est terminé. Et donc voilà. Ce challenge est terminé. N'hésitez pas à mettre des pouces bleus, des commentaires et surtout abonnez-vous. Ciao pour de prochaines aventures.